La parole est à Nathalie Goulet. Madame la Présidente, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, c'est trop. Trop de fraude, trop d'évasion fiscale, trop de réglementation et partant trop de failles bien exploitées par trop de fins limiers de l'évasion, trop bien formés. Trop de carences dans les moyens en hommes et en formation, trop peu de moyens pour les parquets, trop peu de coopération internationale, trop de carences dans les échanges d'informations, trop d'organismes trop étanches aux missions trop séquencées, trop de carences dans une volonté politique nationale et internationale, trop c'est trop, et ce rapport trop volumineux de 2000 pages en est le reflet. C'est assez rare que les mots me manquent, mais je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à choisir les axes de mon intervention, tant les travaux de notre commission ont été riches et divers. Comment faire le tri parmi 61 propositions, toutes plus intéressantes les unes que les autres, de la simple réorganisation technique aux actes de formation, en passant par des mesures législatives ou réglementaires, nationales ou internationales, sans doute privilégiées, Madame le Ministre, celles qui ne coûtent rien. Un regret, que M. Cambadélis ne soit pas dans nos tribunes, je plaisante, mais vous connaissez les femmes toujours un peu rancunières. Madame le ministre, j'ai donc choisi l'illustration nourrissant un doute sur la capacité des uns et des autres à lire les 2000 pages de ce rapport. Dans le domaine de la fraude, nous sommes dans la guerre de l'obus et du blindage. Quand le blindage est le droit fiscal, il ressemble déjà à une passoire qui fait les beaux jours des fiscalistes avertis et des fraudeurs. J'ai choisi de m'intéresser à l'administration des douanes pour laquelle j'ai une tendresse particulière. Cette administration est exemplaire et, semble-t-il, un peu désarmée, traitée à la marge, comme dit Philippe Poch, secrétaire général du syndicat solidaire des douanes, dans une audition du 3 avril dernier. Un petit rappel, en 2010, 91 millions d'euros au titre des sommes non déclarées à l'exportation ont tout de même été enregistrées. C'est moins qu'en 2009, où on avait récupéré 188 millions d'euros. Illustration extrait du rapport, page 142. J'ai préféré lire le rapport, ça vaut mieux que n'importe quelle autre explication. Sur interrogation, nous avons eu le cas assez récemment d'une personne qui circule sur le périphérique avec 800 000 euros cachés dans la roue de secours de son véhicule. Les gens sont distraits. Je ne suis pas nécessairement face à un manquement de l'obligation déclarative, dit le secrétaire général, rien ne me prouve que cette personne ait voulu franchir la frontière. Certes, elle était seulement sur le périphérique. Donc, l'un des premiers enjeux pour les douaniers, même s'ils ont trouvé l'argent dans la roue de secours, c'est quand même un endroit assez classique pour placer une somme de cette importance, en soi, porter de l'argent et le faire circuler à l'intérieur du territoire n'est pas une infraction. Oui, mais derrière, il faut juridiquement appuyer la distraction sur quelque chose de plus solide. Ce qu'on essaye de faire dans ce cas-là, c'est éventuellement, via l'article 40, de renvoyer une enquête pour une saisie, soit de la douane judiciaire, soit d'un autre service d'ailleurs, qui peut être un service de l'État, afin d'essayer d'arriver à démontrer que cet argent provient effectivement d'une opération de blanchiment et d'une infraction sous-jacente. En l'espèce, mes chers collègues, faute de preuves, l'argent a été rendu. Le système qu'on applique au quotidien pour la lutte contre la fraude a été largement désarmé, notamment sur la frontière avec le Luxembourg. Et là, c'est l'audition de M. Bock, co-secrétaire du syndicat solidaire douane, toujours le 3 avril, que je voudrais vous mentionner. Sur le terrain, originaire de l'Est, j'ai souvent le souvenir de douane extrêmement efficace, dit-il, du côté de Thionville, qui était la terreur du Luxembourg. Je me demande si les banques luxembourgeoises ont sablé le champagne quand nous avons changé notre dispositif. Ces unités ne rentraient jamais bredouille. Sans vous donner trop d'astuces pour frauder, vous prenez le train direct pour Luxembourg, allez d'abord à Metz, puis le TER. C'est une chose toute bête et qui marche très bien. Donc, aujourd'hui, il nous a donné un autre exemple. Je vais vous donner l'exemple, dit-il, d'une situation certes caricaturale, mais devant laquelle nous nous sommes trouvés il y a 15 jours. Elle est d'ailleurs assez gênante. Vous allez voir, on comprend pourquoi elle est assez gênante. Nous avons intercepté des personnes se déplaçant entre les Pays-Bas, la France et l'Espagne, transportant
chose tout à fait interdite, un montant excessif d'espèces imprégnées de cocaïne, 300 000 euros. On applique donc l'amende forfaitaire de... Ah ben c'est dans le rapport, monsieur de Rincourt. Non, c'est pas un aidor, mais enfin, on pourrait s'en contenter. Mais c'est bien que vous disiez que ce ne soit pas énorme, je veux dire, ça éclaire nos débats. Donc, on applique une amende de 25% et on renvoie le reste de l'argent par virement. L'exemple est extrême, c'est une hérésie. Là, on atteint vraiment les limites du système. Donc, vous voyez, on est passé de la théorie à la pratique sur deux cas absolument symptomatiques de ce qu'on a entendu, monsieur le président, monsieur le rapporteur, pendant la totalité de nos audiences. Donc, la liste des mesures que nous proposons est évidemment exhaustive, mais l'exemple, les deux exemples que je viens de vous citer sont extrêmement frappants et vous font prendre conscience de l'importance qu'il y a les uns et les autres à lire cet excellent rapport. Je voudrais aussi évoquer brièvement la fraude au remboursement de la TVA. On a signalé des cas de remboursement de TVA au profit de personnes qui manifestement jonglent sur les passeports sans que quiconque ne puisse vérifier la réalité de leur domiciliation. Ça, je pense qu'il serait extrêmement important de donner des moyens aux douaniers de Roissy pour pouvoir vérifier ces choses. On parle de remboursement de TVA de 750 000 euros ou de plusieurs fois 200 000 euros. Et là, vous avez la grande solitude des douaniers de Roissy qui se rendent compte qu'il y a une présomption de fraude et qui n'ont aucun moyen de vérifier la domiciliation de gens qui circulent avec plusieurs passeports. Bon, j'ai essayé d'éviter un inventaire à la Prévert, mais je voudrais, Madame le ministre, insister, comme l'ont fait les orateurs avant moi, en attendant le grand soir d'une grande loi contre l'évasion fiscale, mettre en place une cellule de suivi de notre travail. Je pense que c'est extrêmement important, même si cette cellule n'a pas une forme institutionnelle, même si ce n'est pas une commission, parce que vous savez que les uns et les autres, nous sommes tous très occupés et parfois nous ne pouvons pas assister aux réunions, mais je pense qu'il faut une cellule informelle de suivi des propositions qui sont faites par notre commission. Je souhaiterais également plus sérieusement vous interroger sur la question de l'utilité de la commission des infractions fiscales. Nous avons entendu son président et je persiste à penser que cette commission n'est pas forcément utile ni efficace dans sa forme actuelle. Qu'en toute hypothèse, son pouvoir quasi discrétionnaire n'est absolument pas compatible avec la transparence dont doit faire preuve la justice fiscale à l'égard de nos concitoyens. Que dire enfin, et pour conclure, de 4 500 euros en espèces, nonchalamment pariés par des joueurs de handball, d'une grande chaîne de télévision qui donne 100 000 euros en espèces à l'issue d'un jeu télévisé, ou du Code des douanes, Madame le ministre, qui ne comporte plus aucun article concernant l'or. Aucun article, c'est-à-dire que vous pouvez vous promener, Madame le ministre, avec plusieurs lingots dans vos valises sans que le Code des douanes ne puisse à aucun moment vous réprimer. Sujet trop grave, temps trop court, trop de questions encore sans réponse et vous n'aurez pas trop, Madame le ministre, de 5 ans pour y répondre. Merci. Merci, chers collègues.